Hey, hey, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Space Gladiators. Aujourd'hui... Deux, c'est patate. Eh bah très bien. Patate, maintenant il est comme ça aussi, comme Babouk. Ok, très bien. Plus de charisme, moins de technologie. Pourquoi pas? Lance 5 balles de lave qui inflige 2 dégâts. Bah non, du coup. Par contre, consomme votre énergie 2 de force. Pour chaque énergie consommée. Ok. Et je commence avec la boulette de viande. Ok. Pan. Allez ma patate, on y va. Hein. Ah. Ah, la cadence de frappe et les dégâts sont absents. Mais bon, quand tu fais ça juste après avec la partie avec Babouk, on va taper très vite et très fort, ça fait bizarre. Allez, go. Bah du coup, j'ai viré toute ma technologie, donc j'ai pas très envie de prendre ça. Ah ah, patate fort. Aïe. T'en fais une belle de patate, tiens. Bon, oui, c'est ça, on commence avec des épines. C'est vrai. Peut-être pas la peine de vider ton énergie pour ces ennemis-là, mais bon, c'est fait. Bon, qu'est-ce qu'on veut avec patate? Plein de PV max, de la régénération de PV, et puis c'est parti. Moins 2 de force. Non. Non. Définitivement non. J'ai réfléchi et j'ai dit non. Parce que je me suis dit, si on chope le bras alien, mais on n'est pas sûr de choper le bras alien à un moment non plus. Hein. Donc voilà. Les coffres donnent un objet en plus de la vitesse. Que patate est très lent quand même, donc je prendrais bien la vitesse. C'est ça qu'il faut faire, monsieur Juju. Merci. On a 5 de vampirisme avec patate au début, d'accord. Ah. Tu fais tellement aucun effort. C'est pas bien. Allez. Quand même, tu sais que tu vas la passer cette arène, mais quand même quoi. Après tu vas arriver au deuxième niveau dans un sale état. Non mais. J'ai utilisé plein de fois les haltères, plein de fois. Alors de la vitesse et des PV, j'aime bien. Le panier de fruits. Ah mais je bouge presque trop vite maintenant. Le panier de fruits, bah non, je préfère mon alter, donc viens on se casse. Oh, Juju, tu fais aucun effort, s'il te plaît. Esquive un peu, quoi. Ou au moins, reste pas devant l'ennemi qui va te lancer un truc dans la face. Du coup, j'ai pas très envie d'aller au démon, parce que j'ai pas de PV, donc on va faire le coffre. Ou l'ange. Tiens, on va aller vers en haut. Et on va faire le chevalier et l'ange. Pour changer un peu. Moi, jamais au chevalier. Y'a quoi, là-haut? Y'a rien, d'accord. C'est vu. Ah. Non. Non. On va mourir au premier niveau, quand même. On va commencer tous les épisodes comme ça. Apparemment, si. Non. Je veux pas. On va aller à l'ange. Hein. Je sais que j'ai dit que j'irai au chevalier. Je sais ce que j'ai dit. J'ai changé d'avis. Ah ah! Bon, je vais gober ces projectiles. Nice. Après, en fait,
si je fais l'alter quand je suis à fond d'énergie, si je le fais deux fois, ça sert à rien de le faire plus, hein. C'est 12 max. Donc quand ça fait deux fois plus 6, on est bien. Donc actuellement, quand on fait bien l'alter, ça nous permet de taper à 20 quand même, ce qui est appréciable. Pardon. J'arrive pas à tuer les ennemis. Il y a un problème. Il y a un problème. J'ai un problème. J'ai un problème. Juju, s'il te plaît. Voilà, merci. Ah. Ouais. Pas de patate. Pas d'armure pour la patate. Et du coup, pourquoi pas. On se refait une santé entre les fruits et le vampirisme, tout va bien. Nyan, nyan. Voilà. Non mais. Zou. Alors. Oui. Patate devenir fort. Patate devenir. Babouk. Babouk, c'est toi. J'ai dû l'utiliser quand j'étais pas. Ouais. J'étais pas à fond d'énergie. Parce que je tapais à 18. Aïe. Ah, c'est bon, tape à 20 maintenant. Et on vampirise les ennemis et tout va bien. Allez, c'est bon. Début un peu houleux, mais ça va le faire. Ah, taper moins vite. Bof. Franchement, bof. Je pense que je prends ça. Et. Alors avec les tirs explosifs, ça peut être marrant, peut-être. Mais peut-être. Je crois que je vais juste prendre ça. Hein. Ah merde, non, c'est un défensif, patate. Bon, ça m'a gagné un PV. Voilà. Bah non, les haltères font plus de 18 dégâts max par ça, du coup. J'échange 3 avec 3. Waouh. Ah mince, j'avais qu'un point. Oh, c'est toujours 2 de force, hein, c'est déjà ça pris. Après tout. Ok, ok, ok. À part nos haltères, n'empêche, pour l'instant, on n'a pas grand chose qui permette de taper plus fort. Alors, ça marche bien, hein. Ça marche très bien, mais. Je sais pas, à un moment, j'aimerais changer quoi. Plus 1 de force. Ok. On va au pipi. On va au pipi. Bear, bear. Je me suis fait toucher. Je suis très déçu. Merde, j'ai pris le truc qui fait moins de vitesse d'attaque. Patate. Oh! Ok. C'est marrant. C'est très marrant. C'est très marrant. C'est très très marrant. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais avec les explosions, ça en fait un peu, quoi. Du coup, j'ai presque envie de remettre des points en technologie. Mais les PV. On joue patate, on joue les PV. Ah ! Ah ! Dit-il. Ça fait 2 dégâts. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Oh ! Je m'attendais pas du tout à ce que l'ennemi tire avec cette trajectoire-là. Ok. Bon, je crois qu'il vaut mieux garder notre énergie pour nos haltères, du coup. Hein. On chopera autre chose sur une compétence offensive, par exemple un bras alien. La question c'est, une fois qu'on a le bras alien, la force, est-ce qu'elle compte encore pour taper? Je crois pas, du coup.
D'accord. Ah bah non, je garde mes haltères, c'est mon truc qui me permet de jouer là, donc non merci. C'est un peu bugué, l'explosion apparaît sur moi et pas sur l'ennemi. Ah, d'accord. Ah oui, ça y est, je l'ai vu. En effet, petit problème. Mais revenez! Revenez, mais peut-être pas non plus dans ma gueule. Allez, zou! Alors, tuer des insectes, bof, les coffres, bah. Je vais prendre ça, ça donne plus d'argent en fait. Allez. Oups, oups. Est-ce que tu peux arrêter de faire des oups, s'il te plaît? C'est bon. T'as pas 25 maintenant. C'était osé, c'était osé. Nice, 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 nice. Espèce de bourrin. Des schmoops. Bah j'ai déjà ça. Ah sauf que celle-là, elle donne un PV max. Est-ce que ça vaut vraiment 200 balles? Je suis pas sûr. Plus 10 de technologie et moins 5 de force, bah non. Ah, voilà! Voilà, voilà, on tape à 24 maintenant. Alors du coup, la question c'est... Est-ce que ça a marché? Activer les haltères en l'air, ça fait super héros, t'as vu? Je sais pas si... Relis la description. Vos attaques normales infligent à présent 24 dégâts. Vous pouvez aussi envoyer un ver de terre qui inflige 24 dégâts, calculé avec les PV max. Donc le nombre de dégâts infligés par mon attaque, elle est écrite dans le nombre d'objets, donc la force n'intervient plus, si je dis pas de bêtises. Donc les haltères me servent plus à rien. Oh. 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 Bah elles servent à jouer au super-héros du coup. Transformation! Ouais, je tape à 24 quand même. Je m'attendais un peu à ce que ça marche comme ça, et je pense qu'on savait même que ça allait se passer comme ça, mais... Ça nous a permis d'avoir une partie qui arrive jusque là, et maintenant, oups, merci les épines. Et maintenant, on mise vraiment que sur les PV. Et adieu les haltères et adieu la force. Choper un bouclier serait peut-être bien du coup. J'ai très mal géré ce boss, hein, au fait. Mais bon, des trucs en rapport avec les PV, c'est parfait. Et c'est parti. J'ai eu une amélioration d'arène inutile, bah tant pis, c'est pas grave. Ok. J'ai pris le truc pour les coffres. Ouais, du coup, en bas. En avant. Youpi. Oh. Pas eu le réflexe de taper dedans. C'est pas encore rentré dans ma petite tête. Petit vermisseau. C'est quoi qui a explosé? Ah, c'est mes âmes. Tout va bien. Bah la force, on s'en fiche, donc pourquoi pas en effet vraiment là miser sur la technologie. Bah non, les PV max c'est mes dégâts, donc sûrement pas. Aïe. Oh. 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 Juju. Ok, tout va bien. Ok.
Nice, nice, nice. Bien. Alors. Je sais pas trop. Peut-être ça. Transformation. Oui, je sais que ça sert à rien. Mais c'est marrant. Oh. Oups. J'ai bien vu que j'allais atterrir sur l'ennemi. C'était pas malin. Aou. Aou. Tue-moi les drones qui te pilonnent. Joli. Ce petit combo, coup en l'air et puis retomber dans le dos de l'ennemi et le tuer, c'est trop la classe. Ah, je tape pas vite, c'est vrai. Oups. Beaucoup de oups depuis le début de cette partie. Heureusement, on est la patate, on peut se permettre beaucoup de oups parce qu'on a beaucoup de PV. Mais bon, au bout d'un moment, on pourra plus se permettre beaucoup de oups. On est en vie. De la force, on s'en fiche. Technologie de... 5% de... Ah, de la cadence de tir. Ouais. Et puis... Ça fait toujours un PV max. C'est cher payé, mais ça fait toujours un PV max. Maintenant. Ma pièce. Là. Oh oh, ouais. Alors, on a un PP, on y va. Attention à eux. Toujours très satisfaisant de tuer son ennemi comme ça avec des épines. Oups. Et un oops de plus. Je vais remettre un compteur de oops comme fonction sur Twitch. Ça fait beaucoup de oops. Ça fait beaucoup de oops, tu vas finir par mourir avec tes oops. Patate. Alors les tam-tam, on y va. Ok. Les ennemis font des trajectoires de malade. Tant qu'ils sont pas passés dans ton dos, ils continuent. C'est trop marrant. J'ai pas tué les otages. Oh non! Cette partie est maudite. Cette partie est maudite. Les PV. Merci. Je crois qu'on sera très content d'avoir ça avant le prochain boss. Oh là là, Juju, tu fais nimp. Alors, les drones, ça suffit. Là. La nuée de drones, quoi. C'est Spider-Man Homecoming. Vive le vampirisme, hein. Ouf. Allez, bon. Je me disais là, si c'est des ennemis avec des épines qui apparaissent, c'est dans ma face directe. T'as pas loupé. Je suis mort? Je suis pas mort. Je suis pas mort. Bien. Alors, le laser, c'est chouette. Non. Oui, évidemment. C'est ce qu'on veut. On veut pas mourir. Un peu la base, quoi. Oh merde. Avec la patate qui a beaucoup de PV, c'est vraiment les meilleurs objets du jeu, cette poupée. Ah oh, non. Bon bah si on l'utilise maintenant, on l'utilise maintenant, hein, mais... Si vous pouvez le garder pour plus tard...
Non. Ah. J'avais pas vu le lancier qui était passé en dessous, quoi. Bon bah du coup c'est juste 14 PV récupérés, c'est bien, c'est bien. Et on peut toujours, peut-être, je sais pas si ça marche comme ça d'ailleurs, rechoper une poupée plus tard dans la partie. Après tout, on s'en veut pas, on s'en veut pas. On est en vie, on est content. Fait de la technologie, peut-être que ça nous servira à un moment. Y'a des tonneaux. Ouais. Ah. Je suis pas vexé du tout, du tout. Nice. Nice. Wow. Ok. Bref. Tiens. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce petit passage secret. Nice. Cassos. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Des scies. D'accord. Mais encore. Un coffre. Ah ah. Bah oui, du coup. Bien sûr, on a dit que l'altère servait plus. Merci. Ah, raté. Ah, raté. Ça fait beaucoup de raté. Ah, raté. Ah, l'échec. Allez, go. Oups. Oups. Je crois que j'ai un titre pour l'épisode. Oups. Alors, on veut pas trop ta compétence active parce que... Voilà. Le cœur explose. Ah, bah oui. Bah oui, alors. Je vais pas regarder ce qu'on avait comme ennemi, c'est dommage ça. Ce serait mieux de regarder pour anticiper un peu ce qui va se passer. Oh là là, le bazar! Papa, papa, papa! Faudrait qu'on tape un peu plus vite, je pense. Ça nous aiderait beaucoup. Oh là 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 là, le bordel! Mais quel bordel! Ah, c'est dur dans ce mode de difficulté, franchement, les arènes, c'est pouf! Allez! Ça fait beaucoup, hein! Allez, allez! On baisse pas les bras! On baisse pas les bras! On a 8 PV, tout va bien! Tout va bien, on va récupérer plein après, juste avant de boss! Oh la vache! C'est bon! On est bien. 9 P. Allez. Il y a encore des ennemis qui apparaissent, vraiment. Vraiment. Ah, mon dieu. Tout va bien. Ah, il n'y a vraiment rien qui nous intéresse là. Ah, quoique. Ça, je l'utiliserai pas en fait. Donc, j'utilise pas le vert et je fais plein de technologies. C'est cool. Du coup. Non. 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 Juste non. C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Hack. On le tente avec que les tourelles. Quoique mes familiers ont dû aller taper le boss, ça va pas marcher, je pense. Ça va être un peu long, hein, du coup.
Ah puis j'ai dû me faire taper et le taper avec mes épines aussi. Famille et compétences sont autorisées. Ah ah. D'accord. J'ai foncé dans cette pique. Oh, je crois que je lui ai mis un coup de bras. Je crois que je lui ai mis un coup de bras. J'aurais pas dû rester à côté. Je crois que j'ai raté. C'est pas très grave. On arrive à nouveau à la jungle. Avec ce mode de crâne. Bon. Ok, bah vieux pépé tout droit, hein. En avant. Gaffe. Joli. Oups là. Oups là. Les coquinous. Tellement de PV dans la jungle. Allez, allez. Deuxième vague. Non? Ah. D'accord. Reviens toi. Nice. Allez. On a fait beaucoup de oups, mais il est toujours temps de redresser la barre. Ou de mourir à la jungle. Aussi. C'est sûr. Il faudrait la cadence de frappe, la vitesse d'attaque. Mais bon. On peut faire les petites salles au-dessus quand même. On va avoir un peu d'argent pour acheter des trucs. Si on monte pas nos dégâts, on va pas y arriver, je pense. Sur les arènes, faut vraiment taper très fort, très vite. Et avoir du vampirisme, je pense, là, pour patate. Ça nous sauverait. Et mon vampirisme, je crois que je l'ai pas monté depuis le début, non? Je suis toujours à 5, ouais. C'est ça qui nous manque aussi. Ah, bah pourquoi pas, écoute. Je vais même pas regarder les ennemis encore. Patate! Aïe. Oh merde! Vache! C'est tendu, hein. On bouge! Merde! Merde! Ah, puis mes cœurs là ils explosent, mais du coup je les chope pas les PV qui vont avec, hein. C'est bien gentil pour faire des dégâts, mais. Ne bouge pas! Non! Reste là! Ah non! Mes PV! J'ai une nouvelle stratégie. Ah, oh, les ennemis qui me popent dessus. Attends, c'est pas comme s'il y avait un nez, il y avait pas un énorme truc à l'écran qui dit attention, un ennemi va apparaître ici. Toi, tu restes dessus, hein, évidemment. De l'armure. Vache, y a rien de ce qu'on veut. Ah non, non, vraiment pas. J'ai 30 de technologie quand même. Attends, qu'est-ce que tu veux en faire au fait avec ton bras alien? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ça sert à rien. Ça, ça sert. Ça, ça sert. Hack. On n'a pas eu beaucoup de bol sur les objets générés là. Après, t'as le bras alien. Hein. T'as le meilleur objet pour la patate, quoi. Donc, faut pas non plus trop. On va y aller, on va y aller parce que là, on va pas s'en sortir sinon. Voilà. Ah d'accord. Au secours. Au secours. Bon. Du PP et de la drogue. Allez hop. Non.
gars. Ok. Attends, attends, on fait 64 avec le truc. 15% de chance de faire double dégâts, je crois. Ya ya. Oh, tu t'es fait toucher. Ba-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Oui. D'accord. 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 J'espère que ça marche avec le Brian, ça marche. Trop bien. Attends, oui, ça dit pas vous donne de la force suivant votre technologie, ça dit vos attaques infligent plus de dégâts suivant votre technologie. Donc là, on transforme enfin notre technologie en quelque chose d'utile. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Non, il est à moi. Non. C'est mon cœur. Arrêtez de vous le prendre et de le faire exploser. Oh là là. Utilise le cœur, mais j'essaye, j'essaye, j'essaye. T'as vu? Ok. Non! Reviens! Ouais! C'est bon. Ah merde, il m'a craché dessus dans le dos! Si t'étais malin, tu utiliserais les champis comme source d'énergie. C'est l'avenir pour la planète. Les champis comme source d'énergie. Vous l'aurez entendu ici en premier. Merci. Non. Oui. Ah. Oh. Ouh. Je suis baisé. Je suis baisé là. Il y a trop d'ennemis qui font des attaques différentes. Je suis dans le coin. Je suis juste U. Voilà. Cette trajectoire qu'il a fait. Bébé. Allez, ça peut le faire. Hein. Franchement. Pas hyper confiant, mais si j'arrêtais de faire des grosses bêtises tout le temps, si je faisais que des petites bêtises, ça pourrait le faire. Héhé. Hé. Oh non. J'ai cru que j'allais me faire toucher. Nya, nya. Nya. 10% de chance de bloquer les dégâts web, plus de dégâts dans les arènes, je pense que c'est ça qu'on veut. Le bazar, le bazar, le bazar. Ok, on a un coin propre. Merde, j'ai utilisé la compétence active. C'est pas ce que je voulais. Allez, ah, 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 ah. Mon cœur. Foutez-moi la paix. Au secours. Toujours plus de champi. Non. Bon alors ça a tué les ennemis hein, mais c'est parce qu'on... Oh, il reste combien d'ennemis dans cette arène de mes deux? Là là, c'est bon. Cacousse. Non, mon cœur, mais reviens. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, non, mais tombe pas sur un champi comme ça. Oh là 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 là. Comment on subit la fin du jeu à chaque fois. Oh, t'as vu le bordel, quoi. La panique est installée, mais la panique est encore mieux installée que ton pote, tu sais que tu...
t'as pas vu depuis 5 ans et qui te dit hey, « Eh, je peux pas venir chez toi, juste l'affaire de 2-3 jours. » 3 ans après, il est toujours là. Il a donné un nom à ton chien. T'as piqué ta copine. Il est bien installé, quoi. Bah voilà, la panique, c'est pareil. Où est-ce qu'on va? On va à l'ange ou on va au vieux pépé? Bah écoute, je pense qu'on va au vieux pépé. H. Entre l'ennemi volant plus l'ennemi qui venait du sol, là j'ai pas vu venir. Ok. Et arrêtez. Stop. Chute. Voilà. Bon mais, pop 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 toi-même. Mon Dieu, je deviens fou. Okay. Cette salle paraît presque tranquille maintenant. Ouh. Par rapport au reste, non? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On a 15 PV, Juju, tout... 14 PV, Juju, tout va bien. Champi, ça rend fou, bah... Ouf. Alors... Ouais, ça c'est gratuit... Ah, je peux pas prendre ça, je peux pas prendre ça. Non plus. Allez. Pas de combat, que des pièges. Tu en as déjà fait. Bon, j'y vais comme un bourrin, franchement, parce que de toute façon, j'ai la protection des pièges. Et quand on l'aura plus, bah on fera attention, mais... Ah. Oups. Pas de tous les pièges non plus. Oups. Oups, 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 oups. Aha ! Un canard ! J'aimerais bien voir l'autre objet. Non, je ne veux pas de ton canard ! Canard, va ! Ah ! Ah, très intéressant. C'est peut-être ce qui nous manquait dans cette partie, c'était du café. J'aurais dû m'en refaire un avant de lancer cet épisode, évidemment. YPV. On est au 3-3. Incroyable. Incroyable. Ça, ça va pas durer longtemps. Ça, c'est plus à ce stade du jeu qu'on va le faire. Ça... Ça sert à rien. Force s'en fiche. C'est quoi les ennemis les moins pourris? Ils sont tous pourris. Enfin pourris, non, ils sont bien, mais je veux dire, ça va être difficile, quoi. Ça va être difficile. Oui, en fait, je râle depuis tout à l'heure, hein, mais c'est je râle contre ma propre incapacité à bien jouer. Pas tellement contre le jeu. Les macacos sont 2 points de dégâts. Hein. Et là, il y a des ennemis qui viennent du sol, donc non. Là, c'est des champis et des machins volants, c'est peut-être le plus simple. Peut-être. Pas sûr. 115 quand même. Merde. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok. C'est de choper les bombardiers avant qu'ils fassent leur attaque. Stratégie. Pas lancer les projectiles dans les ennemis. Mauvaise stratégie, t'es dans un coin. T'es dans un coin, reste pas dans les coins. 110, pas mal. Et franchement, cette arène, elle se passe pas si mal pour une 3-3. Hein. Wow. Allez, continue. Continue, 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 continue. Patate, vas-y ma patate. Ah, non. Non. Astuce, non. Parce que ça... Il y a déjà l'effet double, là. Hein. On est d'accord. Donc ça va pas donner 12, ça va donner 6. Donc on fait pas ça. Plus 1 PV max. On fait ça.
2 vampirisme. Non, c'est une compétence offensive, on fait pas ça. On s'en fout. Peut-être. Non, on n'a pas d'armure, on a une patate. Bon, c'est naze, non? Un PV max, cool. Cool, cool, cool. On sert à rien de regarder le reste, de toute façon, c'est la fin du jeu. Enfin, déjà le boss, puis l'autre boss. Premier boss. Bah, oh, oh. Premier boss qui met un bazar pas possible sur la deuxième phase, tu te souviens. Hein. Ah, tu fais pas toucher par les petits champis. Ok. Là, c'est le rythme. Et regarde bien les trucs rouges. Là, pas là. T'es bien. T'es pas bien. Tape-le. Tape-le. T'es bien, t'es bien, t'es pas bien. T'es bien, t'es bien. Crunch. Crunch. Allez, go. Ok. Deux dégâts, c'est vrai, c'est vrai. Non. Allez. Nice. Ok. Pas péter tout de suite le générateur, c'est dommage. Merde. Non. Non, mon cœur. Oui, mon cœur. Non, mon cœur. Ah, mon cœur. Oh. J'aurais pas dit mieux, monsieur Brownie. Sir Brownie, pardon. Allez. Ok. Ah merde, le piège. Quel con. Plus de générateur d'ennemis. Pour l'instant, on aura d'autres. Mais... Attends. Laser, merde, quel con. À peine de gagner des PV. Je pouvais plus faire marrer. Juju. Gaffe. Allez. Merde. Okay. Oh non. Oh, c'est là que tout se joue, hein, parce que là c'est un bordel sans nom maintenant, donc on va savoir comment ça va se passer, moi je sais pas. Mal. Ah, oh, mal. Ah ouais, non mais la fin là c'est... c'est too much. C'est too much pour moi. Bon, bah écoute, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice, je joue à Space Gladiator, j'espère que ça t'a plu. Je vous dis à très vite pour la suite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.